Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser un tableau abstrait assez intéressant à réaliser. Si vous aimez mes vidéos, je vous invite à vous abonner, c'est gratuit. Vous recevrez une notification à chaque fois que j'en serai tiré une nouvelle. En général, le lundi pour un sujet plus classique et le jeudi pour un sujet plus abstrait. En attendant, à nos couteaux. Pour réaliser ce tableau, j'utilise une toile en coton toute simple, format 40 par 40. J'aurais très bien pu utiliser du lin si je l'avais souhaité, ou un format différent. Je l'ai enduit d'une couche fine d'acrylique noire, j'ai séché au sèche-cheveux et je peux commencer. J'utilise des couleurs que j'avais utilisées pour ma vidéo de la semaine dernière. Donc du blanc, la semaine dernière j'avais utilisé du turquoise, là c'est du bleu phtalo et du vert émeraude qui mélangeaient vont donner du turquoise, un petit peu d'orange, un petit peu d'ocre jaune et du noir. Première étape, je vais préparer un mélange avec du blanc et un tout petit peu d'ocre jaune pour faire une teinte blanc légèrement vanillée. Et je vais enduire la totalité de ma toile avec cette couleur. Afin de réaliser un joli bord noir sur le pourtour de mon tableau, je viens placer un scotch de masquage sur la totalité de mon bord. Je prends une assiette en carton que je place sur le centre de ma toile et je viens faire le tour sans trop appuyer pour ne pas déformer l'assiette. Je remplis ce cercle de peinture noire. Je n'ai pas évidé volontairement pour faire quelques effets de couleur avec le noir et le blanc qui se mélangent. Je mélange mon bleu phtalo, mon vert émeraude et mon blanc sans trop mélanger et je viens glisser sur mon cercle. Je tourne mon tableau et je fais la même chose avec de l'orange. Je reprends du bleu phtalo et du vert émeraude et en partant du centre, je viens ouvrir je refais avec du blanc. Et avec de l'orange. Je viens maintenant déstructurer.
avec mon couteau propre, je reglisse. Je viens former des blocs dans un sens, dans l'autre. Et je sectionne juste en posant et en sortant. En griffant, j'ai les reflets orange que j'avais mis au préalable qui ressortent à certains endroits. Je viens amplifier des reflets orange et des reflets turquoise.
je regriffe à nouveau quelques petites ouvertures pour apporter de la lumière. Et je peux maintenant enlever mes scotchs. Je viens équilibrer un peu cette masse en rajoutant un tout petit peu de turquoise pour qu'elle devienne plus en triangle et non pas trop en rectangle. Et je rajoute un trait noir ici. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu j'aime. Vous pouvez me laisser un message et surtout, vous pouvez vous abonner. Et en actionnant la petite cloche, vous recevrez une notification à chaque nouvelle sortie de vidéo. En attendant, je vous souhaite une belle fin de semaine. Je vous dis à lundi pour un tuto plus classique. Au revoir.